Et salut tout le monde, c'est Lucas. Aujourd'hui on se retrouve. Pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est sur Pokémon Trading Card Game Online. Donc je viens d'ouvrir un booster, je viens de finir le deck partiel, voilà. Alors c'est quoi cette carte? J'ai bugué. Primo Groudon. Putain, j'ai pris mon Groudon. Donc ouais, cool. Rupture turbo. Oh stylé, c'est quoi ça? Jour un deck. J'ai eu un deck. Nick. Rupture turbo, ouais, ils sont trop beaux. Oh, Mega Cisaiox. Oh, c'est les biches. Alors, jouer. Versus. Ce deck, ouais, cool. Alors, pouvoir serrer les barrales. Ouais, je m'en boule. C'est quoi ça? Hein? Je sais pas si ça vous fait le même effet. Là, on dirait des sortes. C'est quoi ce Pokémon? Oh putain, on a un peu tous les Pokémon en bas. Nouvelle récompense versus Diponie. C'est les BX! Je le veux! Je choisis ça ou ça? Et c'est John Basic, pouvoir cérébral. Tous les decks. Thème. Standard. Étendue, illimité, thème. Allez, on va prendre ça. Alors, je regarde juste ce qu'il y a. D'accord, ça s'arrête là. Enfin, ça commence là. Et ça s'arrête là. Ok. À où on voit ce deck? On attend que ça charge. Attends, choisissez une boîte de deck. Choisissez une pochette. Voilà. Bon alors j'attends que ça charge. On peut avoir déjà un petit coup Gringoulem, un Tarzol et un Galam. Un Galam qui est assez stylé quand même. Ah voilà, ça a chargé ici. Alors chance s'ouvrir avec coupe double. Rhinovol, donc son évolution avec don énergie et crève-cœur. Gringoulem avec bataille et ultime à point. Tarzal avec choc mental, Kirlia avec petit pas et torgnole, Galam avec tempête puissance et estocade, Skitchy avec glace de soin et queue battoir, Delcati son évolution de distributeur d'énergie et bluff, Hoot-Hoot, piocheuse mutuelle et crémeux, force de l'amitié et enfoncement, Coiffarel, mâchoire serrée et croc aiguisé. Potion, l'aide du prof, roller, corde sortie, évolue soda, super boule, Tierno, fan club Pokémon, ça je ne connaissais pas. Cherchez jusqu'à 2 Pokémon de base dans votre deck, montrez puis ajoutez-les à votre main, mélangez ensuite votre deck. Ah, ça on ne connaît pas. Tous les dégâts, je mets quelque part, peut-être vous ne verrez pas. Alors, je sais pas si vous voyez là, mais bref, voilà. Alors, tous les dégâts infligés au Pokémon auquel cette carte est attachée par une attaque de votre adversaire sont réduits. Ouais, bon, ouais. Pas mal. Ouais, je vais garder celle-là. Jouer. Charge d'investisseur disponible. J'ai jamais joué avant, mais j'adore Pokémon. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai un sali dégâts. D'ailleurs, j'y ai avancé. Alors, je suis contre Kampa qui a le même deck que moi. C'est parti. Id. Oh putain, c'est des faces. Pile. Kampa, pardon. Vas-y. Tour de l'adversaire. Là. J'ai 2 Galam. C'est bien ça. C'est les Galam quand même. Votre adversaire n'avait pas de Pokémon de base. Elle va piocher une nouvelle main après la fin de votre mise en place.
C'est-à-dire que je peux pas. Ah voilà, c'est bon. Écrémeux, allez, sketchy d'abord. Écrémeux après. L'adversaire, votre adversaire n'a pas de Pokémon de base et dû piocher une nouvelle main. Regardez ses cartes et cliquez sur OK. Prends Kirlia, voilà. Ah, en fait, ah d'accord, j'ai compris, j'avais pas compris en fait là. Mais là j'ai compris en fait. Mais du coup tout à l'heure j'avais pas compris en fait. Et là en fait j'arrive pas de dire en fait. Alors je vais arrêter de dire en fait. En fait. Oh, j'arrête. Putain, Campal a l'air triste. Pourquoi? Votre adversaire n'a pas de Pokémon de base et a dû piocher une nouvelle main. Non mais... J'allais dire what the fuck, mais... Sérieux, mais ça fait 2 fois d'affilée qu'elle le fait là. Bon. C'est parti. Kampa vs Teufa. Et ouais. Parce que mon pseudo c'est Teufa. Je sais pas pourquoi j'ai un skin de fille, moi-même je sais pas. Alors que je n'ai pas choisi de skin de fille, voilà. Bref. Alors Kampa, c'est à toi. Elle met une énergie psy sur son out-out et elle va faire pioche mutuelle qui chaque joueur pioche 2 cartes. Voilà. Je pense qu'elle va faire ça. Non, même pas. Bon. Alors je vais faire super boule. Alors je cherche des Pokémon. Oh putain, je peux avoir un Kia. Ouais, mais c'est le seul que je vois là, pour l'instant. Voilà. Je prends Kirlia. Pourquoi je l'ai pas eu? Pourquoi je l'ai pas eu? Bon, bref. Skitty, je t'offre ceci. Et Glaçon, Soigneur, Pokémon. Bon, que battoir. Voilà. On commence clair là. On se rebat les steaks, on combat. On a 45 cartes chacun. Putain, elle a un Kirlia là. Ah putain, elle est en train de faire. Évoluer son Kirlia comme ça il me met d'un coup un Gallame avec 140 PV tempête puissance et estocade là et ça qui va me défoncer totalement. Regardez-moi ce mec. Oh. C'est la technique d'escroc ça quand même. Hop, alors je vais le donner à Crémeux. Crématoire. Boum! Alors lui c'est l'éclair qui le tue. D'accord, ouais, c'est un peu. C'est un Pokémon de vol. Mais il est en normal. Putain, il a fait voler son Skitty en Delcati. C'est quoi ça? Ah c'est Gringolem. Putain, il est à Galab. Il va me faire le truc. J'en suis sûr. Ouais, ou tout. Et d'un coup. Oh Galab. Putain, évolution d'A, il va chercher l'évolution de qui? Out, on n'a pas son évolution. Je sais même pas s'il a une évolution. Ouais, je sais pas ce qu'il voulait faire là. Il a voulu soda dans le vide, peut-être. Il a voulu faire ça. Bon, là, il va avoir un problème. Il va sortir son Galan. Je vais moins faire le fier. En plus, j'ai pas de Kirlia ni de. Celui-là en dessous de Kirlia. Voilà, je m'en souviens plus. De son nom quand sorti est-ce qu'il tient encore mais bordel mais et crémeux voilà est-ce qu'il tue non le garde on va continuer avec que battoir voilà nous on va ça lui fera pas mal de dégâts. Alors c'est quoi? C'est un distributeur d'énergie. Cherchez dans votre deck jusqu'à 3 différents types de cartes d'énergie de base contre les pièces. D'accord. Putain. Allez, allez les gens, on peut l'avoir. On peut l'avoir. Donc je fais cette vidéo en attendant la vidéo sur l'épisode 3 de Pixel Mode. J'avais dit que je le sortirais jeudi, mais on peut pas vous prévoir. C'est-à-dire que je mets là j'ai
Là, je dois faire la miniature et ça me prend du temps un peu. Qu'est-ce que je disais? Il me sort son galab, tempête puissance, 20 dégâts. Ouch. Ah, ça fait mal. Delcati, c'est parti. Non, on va faire Skitchy là. On va faire ça. Et on va faire ça. Alors, on fait moins le fier, hein? Un de coup, hein? Un de coup, hein? J'adore faire chez les gens. Allez, vas-y, change de Pokémon, hein? Hein, tu t'y attendais pas, hein? Dis-le! Allez, écrémeux. Hop. Voilà. Hop, on va faire renforcement. Si vous avez un Pokémon de niveau 2 sur votre terre, votre banc, cette attaque inflige 100 des dégâts supplémentaires. Pokémon niveau 2. Je sais pas si j'en ai un. J'ai envie d'essayer. J'en avais pas un. Non, ça c'est niveau 1. Putain, niveau 2. Putain, ces dernières évolutions, ça. C'est-à-dire lui. Galam, il faut que je t'aie. Il va faire quoi? Bataille. Dis, point de dégâts. Allez, genre. On va faire juste un seul combat parce que le combat ça dure assez longtemps quand même. Putain, il veut me faire bataille là. Il a envie. Il le sait, il le sent et nous le savons tous. Il veut faire bataille. Son l'attaque au-dessus là. Ultima point, voilà. Ultima point qui fait beaucoup trop de dégâts pour ça. Oh putain, il va le faire, sérieux. Sérieux, il va me faire un ultima point, je vais rien comprendre. Ah bah si, je vais tout comprendre en fait. Allez, enfonce-le. Boum! Allez. M'en fous, j'ai soi. Ça là. Oh. Putain, ça va me faire 70 dégâts quoi, ça va me faire chier là. Écrémeux, non! Faut pas que tu meurs, je t'aimais tant. Et les gars, son Pokémon sont augmentés, quoi? Pourquoi? 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 Les dégâts de son Pokémon est augmenté. Dégâts, ouais, c'est pile. Ça du Pokémon, ça sur des calquis. Et crémeux va faire. Allez, enfonce-moi. On va l'enfoncer. Allez, celui-là. C'est un énergie. Énergie que je vais donner à Delcati. Putain, il me ressort son galab là. Il va faire. S'il a une énergie, il va me faire estocade. Ah non, tempête puissante. Ah oui, 60 dégâts. Ah, ça fait un peu mal aux fesses. Hop. Ouais, corps sorti. Alors, mec. Putain, j'ai l'impression qu'il prévoit jamais ça. Il veut utiliser son galab, il sait. Il veut utiliser son galam. Ah non, par contre, force de l'amitié, ça va faire mal au cul. Ça va faire putain de mal au cul. Allez, je vais utiliser au toutes. Là. Je vais faire OS. Parce qu'il a un Pokémon niveau 2. Et du coup, il peut faire force de l'amitié. Il fait 80 points de dégâts. Ça fait mal aux fesses. Il m'a défoncé. Oh putain, il a ses trois. Il peut faire un stockade. Je vais choisir cet écrémeux. Putain, mais Kirlia, mais t'es où là? Sérieux? T'es où?
T'es où? Putain. Ah, la chauve-souris, mais moi j'aimerais avoir chauve-souris, surtout que j'aime Borinovol et tout là. Mais non, non, ils veulent pas. Kirlia, mais il me manque plus que l'autre. Pardon. Il fallait que je le sorte. Ouais, voulu bien ton chauve-souris en rhinovol. Bon, ça va être au tour de Skitty. Voilà. Allez, Skitty, tu vas te faire défoncer. C'est pas grave, hein. Tout le monde se fait défoncer au moins une fois dans sa vie. Alors, tu vas faire glas de soin. Soin quand même pas mal de points. 30. Ah, mais ils veulent défoncer en une seconde, sérieux, ça saoule. Je suis lancé. Il défonce tout le monde en une seconde. Il faut que j'ai Tarzal, voilà, c'est ça. Il faut que je l'ai. Voilà, allez, toi. Voilà, on va te bluffer. Je te bluffe. Bluffe-le! Allez, je veux te paralyser. Non! Bon, ben, adieu Delcati. Voilà. Au moins, c'est fait. Bon, les gens, je pense qu'elle va durer longtemps cette vidéo. Oh, putain. Putain, mais il me saoule là. Là, il commence à me saouler, hein. Sérieusement, là. Allez, vas-y, au bout. Regarde mon écrémé. Non, sérieux. Je vais faire pioche mutuelle, voilà. Nyon. J'ai tout sauf un Tarzan ou un chauve-souris. J'ai tout sauf ça. Au lieu de ça, j'ai un putain de coiffoirel là qu'on doit le coiffer. Désolé, c'est la rage. Il va me défoncer tellement violent. Bon, je vais mettre. Non, pas encore une pause. Pas encore. Si la duration est à 19, je fais une coupure jusqu'à que je perde ou que je gagne. Mais je pense que je vais perdre, hein, vu que. Voilà, force de l'amitié, vas-y, défonce-moi, j'aime ça, oui, vas-y. Ah. Alléluia! La papaya, la galabrica. Mon steak. Ouais, il va me défoncer. Si je vais en retraite, que je mets Crofarel. Ouais, c'est bon. Je crois que j'ai trouvé une tactique. Je crois que j'ai trouvé une tactique pour essayer de résister à son machin. Parce que là, s'il me bat un seul de mes Pokémon, mais vraiment un seul, j'ai perdu. Roller, vas-y. Putain, putain, non, Roller. Putain, pourquoi t'as fait ça, Roller? Je voulais te rouler dessus, moi. Putain, non, je suis mort, je suis mort, je suis mort, je suis mort, je suis mort. Et je suis encore mort. Quoi que je fasse, là, je suis mort. Bon, allez, pour que ça soit moins violent, on va mettre écrémé. Voilà. Et tu vas faire force de l'amitié. Tout s'est joué parce que, putain, j'attendais mon putain de Tarzal et mon putain de Kirlia pendant une semaine. Sérieusement, là. Fou.
Ah, t'es chaud. Bravo à Kampa, quand même. Il est pas nul. Voilà. Merci à Kampa d'avoir joué contre moi. Voilà. Donc, je pense que ça va être tout. Bon, je vais juste créer mon deck et on se retrouve juste après. Et religion, donc là c'est bon, j'ai créé mon deck comme vous le voyez. Et donc là, on se retrouve à la fin d'un combat que je vais faire. Et donc voilà. Allez, à toutes. Il a un putain de Mewtwo X, ce mec. Putain. Putain. Il a que des trucs cheatés. En plus, il a commenté avec quel Sprint X. Ah putain, mais je vais pas le battre, il est trop dur. Je veux son deck, je veux son deck. Ça là, je le veux. Putain, putain, il va me défoncer avec son Mewtwo X. Il va me défoncer. Ça, ça évolue. Ça, ça fait ça. Ça, ça fait griffure. Boum. Alléluia. Un de moins. Ah, c'est quoi? Roti flamme. Ok, nickel, je vais pouvoir évoluer mon gros tichon. Putain, il est trop chaud, il m'invoque mon Mewtwo lui. Et putain, il a qui aurait un blanc X aussi. Mais genre, mais je vais pas gagner contre lui, bordel. Bon là c'est chaud les gens, c'est chaud. Non putain, il change son Mewtwo, il va me faire voler psy. Non. Non, quel. Vite, soignons. Soignons ce Pokémon. Hop, 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 hop. Déflagration. Bam. Je m'en fous de la plante. Vas-y, enlève-moi cette plante. Bon, le psy qui va. Ouais, c'est mon Pokémon. Bon, les gens. Ben, je me suis fait défoncer par un mec GG à Will. Yeah. Yeah. GG. Bon, GG à toi, mec, en face, Kawaii, qui s'appelle. J'aimerais bien voir ton deck, parce que franchement, franchement, le coup de plein de chats, de plein de ex, là, je m'y attendais pas du tout. Franchement, là, je me suis fait défoncer. Donc, je te remercie d'avoir, de m'avoir défié. Voilà. Tout ce que j'avais à dire. Donc, j'espère, en tout cas, que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à plus tard et à une prochaine vidéo. Allez, bye bye, bisous, 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 bisous.